Et yo, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo sur l'ouverture de cartes Amiibo, donc de cartes d'Animal Crossing. Donc là c'est la partie 2, la partie 1 sera dans le petit en haut à droite. En tout cas moi j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, j'ai vraiment trop hâte de les ouvrir, sachant que il manque quand même pas mal de personnages. J'espère qu'on va pas avoir des doublons. En tout cas si jamais cette chaîne et le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours énormément plaisir, et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à liker si jamais cette vidéo vous a plu. Donc pour info, là on en a 10, j'en avais fait 10 la dernière fois, donc là on en a 10 encore. Je m'en souviens plus tellement des doublons, enfin si il y a encore des doublons je m'en souviens plus tellement de l'ouverture, mais en tout cas on va commencer tout de suite, on n'attend pas, hop. Sachant que comme je vous ai dit dans la première ouverture, on a eu pas mal de cartes qu'on voulait, donc ça c'est plutôt cool. Allez hop, désolé s'il y a le petit bruit quand j'ouvre le paquet. Hop, allez, on y go. Alors, pour la première carte du PNJ, donc comme d'habitude, la première carte est une carte de PNJ que vous pouvez utiliser sur l'île Adjo si le personnage a été introduit par Nintendo dans Animal Crossing. Et les deux dernières sont les cartes d'un villageois que vous pourrez faire venir sur votre île avec, eh bien, tout simplement, les petits amiibo qui sont présents juste ici. Allez, go! Oh bah tiens, on commence déjà, on a fini par Rodolphe et on commence par Rodolphe. Ah non, mais ça, c'est trop cool! Donc ça me fait un petit doublon, donc Rodolphe, hop, et enfin on a, oh oui, on a Christine. Alors c'est pas du tout mon délire, mais comme elle est super hypée, je pense que quand j'aurai besoin de tickets My Snook, je vais la vendre sur Nookazone, et comme ça, bah, ça sera très bien. Ah oui, il y a Christine, et il y a sa sœur aussi, donc ça, plutôt contente, elle était dans ma liste. Et enfin on a Darius. Ok Darius, toi tu n'étais pas du tout prévu. Donc je vais te mettre ici, tiens, je vais vous mettre ça comme ça, hop. Allez, on y va avec le deuxième paquet. Allez, 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 on y croit. Hop. Ah, j'ai vraiment trop hâte de voir ce qu'on va avoir. À côté de moi, c'est une grosse poubelle de cartes. J'ai ouvert des cartes Pokémon. Donc, j'ai plein de boosters Pokémon à côté. Et on y va. Oui! Oui! Yes! On a Marie! On a Marie en tenue. Oh, elle est magnifique. La carte est magnifique. J'adore. Oh, je suis sous le charme de cette carte. Oh punaise, elle est magnifique la carte, j'adore, j'aime beaucoup. À part une, on a déjà un doublon, mais bon, ça c'est pas très grave. Et on y va. Oh punaise, close. Oh non, pas toi. Oh non, bon, pourquoi pas. Allez, on y go. Oh oui, on a Patty, merengue. Elle s'appelle Maria et tout. Ok, oh mais Patty, j'aime bien. J'aime bien Patty. En plus, vous avez vu sa petite fraise là. Attendez, je vais vous faire la petite mise au point. C'est trop mignon, j'adore. Hop. Ah voilà, c'est la mise au point que je voulais dire. À chaque fois je disais, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, la stabilité quelque chose. Mais non, ça s'appelle la mise au point, Caro. Allez. Hop, j'essaie de pas trop parler quand j'ouvre parce que sinon ça fait plus de bruit. Hop. Allez, on met la petite carte. Je sais pas à quoi elles servent ces premières cartes en fait. Elles servent à quoi? C'est quoi? Ouais, bon, pas très important. Hop. Allez, on y go. On y go, on y go, on y go. Et... oui, on n'a pas eu Charlie, trop bien. Ah, ça c'est cool. Alors Charlie, par contre, je crois qu'on l'a vu en deux speed d'ailleurs. Moi, je ne savais pas du tout que c'était un PNJ. Pendant le 1er mai, je crois, c'est un peu comme ça, il était avec sa valise. Mais on l'a vu, mais deux secondes, quoi. Vraiment, à se demander pour qu'est-ce qu'il foutait là. Enfin bref. Et oui, on a Nasser, ça c'est cool. Je le voulais tellement, Nasser. Oh, par contre, les couleurs ne sont pas du tout le reflet de ce que vous aurez dans la réalité. Là, le bleu est beaucoup plus foncé que de base. Ah, ça, c'est dans le paquet que je veux. Et enfin, ok, Barry, le seul mammouth des villageois. Bon, bof, hein, bof, bof, c'est pas trop mon délire non plus. Allez, on accélère un petit peu, Caro, il nous en reste pas mal. Hop, allez, go, 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 on y go. Oh, Thibou. Bon, pour ceux qui ont vu la première partie, voilà, vous savez, hein. Mais trop contente de l'avoir. Après, ce sera peut-être des cartes que je vous ferai gagner, donc ça, c'est plutôt cool. Je vais mettre ici les petits doublons. Hop, comme ça, au moins, on est sûr de pas se perdre. Et enfin, on y va. Oh oui, mais ça, j'ai déjà. Donc, pareil, ce sera une carte à gagner. Donc ça, voilà, hop, je la mets ici. Et enfin, oh oui, on a Léa. Oh, je suis trop contente, on a Léa. Ah non, mais ça, c'est trop cool. Ah, en plus, elle a une petite pose en mode elle est trop choupinou. Oh, trop, trop choupinou. Alors là, je suis plutôt contente. Alors en fait, plutôt les cartes, je pense qu'au lieu de les vous les faire gagner d'abord, je vais essayer de les échanger.
pour essayer de, bah, de compléter la collection, parce que comme je vous ai dit, ça coûte très très cher. Donc je préfère d'abord compléter la collection, et puis si jamais je n'ai pas, je vous ferai gagner ça dans un prochain concours, mais je ne sais pas quand, parce que crise sanitaire oblige, le salaire prend un coup aussi, hein, je pense que certains le savent. Allez, on y va. Hop. Mais on garde toujours le sourire, c'est très important. On va dire ça comme ça. Allez, go. Bon, pareil. Bon, ça, je vais pas m'attarder dessus. Bon, ceux qui l'ont pas vu, voilà, c'est un petit morse. Pareil, si jamais vous me l'avez pas dit avant, n'hésitez pas à me dire qui il est, parce que pour moi, il est inconnu au bataillon. Hop, allez. Et on y va. Oh, on a Naomi. Oui, ça en plus, ça c'était un villageois qu'une abonnée m'a fait découvrir parce que je portais le même pull que ce villageois. Et je suis tombée amoureuse surtout de ce dégradé de violet. C'est juste trop, trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Et enfin, est-ce qu'on a Mathéo? Non. Oh punaise, on a Gaël. Oh non. Non, non, non. Alors là, c'est vraiment les personnages... Non, merci. Allez. On continue. Hop. Ah, celle-ci, elle s'est plutôt bien ouverte, cette ouverture. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, here we go. Oh putain. Bon, je vais le passer, hein. Voilà, on le sait déjà. Hop. Oh, on a Marina. Mais trop bien. Mais par contre, j'ai son amiibo en décoré. Et c'est pas un personnage que j'aime spécialement. Donc, ouais, bon, je suis contente. Mais voilà, on va dire que ça complète bien la collection. Mais je suis plutôt contente. Allez. Oh, on a Dora, elle est trop choupinou. Franchement, c'est une des souris que j'aime le plus avec... comment elle s'appelle? Sabrina, je crois, la petite souris orange. Elle est trop mignonne, elle est trop choupie, j'adore. Franchement, non, j'aime beaucoup la petite souris. Juste, c'est leurs oreilles qui me dérangent des fois. Par contre, tu vois, tu me présentes Dora et tu me présentes Joachim, le choix est vite fait. Hein. Il nous reste, du coup, les amis, 3 petits paquets. Ah oui, il nous manque... Tenez, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le début du paquet, il nous manque Tom Nook, Mélie, on a Mélo mais on n'a pas Mélie, on nous manque Serge, il nous manque le petit, je sais pas comment il s'appelle lui, et après, bah on les aura presque tous, hein. Mais je pense pas qu'on les aura dans 3 paquets, c'est chaud. Hein. Dans 3 paquets, c'est chaud, chaud, chaud. Allez. Hop. D'ailleurs, vous savez qu'il y avait des cartes amiibo de Mathéo qui se vendaient à plus de 100 euros. J'étais, mais choquée de ça. J'étais en mode, what? Il y en a vraiment qui vont payer 100 euros? Après, pour les grands collectionneurs, je peux comprendre, mais sinon... Allez. Oh oui, on a Dindou encore une fois. J'adore la carte. Je suis trop fan. Je suis trop, trop fan. Et enfin... Ah, on a Vera. Vera qui est un animal, enfin un animal, un villageois que je n'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas très grave. On va la mettre là, ça complète. Hein. Et enfin, Greta. Oh non, j'aime pas du tout par contre cette souris. Je suis désolée, j'aime pas du tout. Ouais, non, 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 je suis pas spécialement fan. Hein. Je suis pas spécialement fan. À défaut, je préfère, vous voyez, si on prend les deux, je préfère Dora. Dora, elle a l'air plus mimi. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Allez, il nous reste encore... Ah, il nous reste encore deux paquets. Ok, ok. Hop. Donc, on a eu beaucoup de doublons de PNJ, mais ça, c'est normal, puisque des PNJ, il n'y en a pas tant que ça. Alors que des villageois, pour l'instant, ça va, on n'a eu qu'un doublon. Donc ça, je suis plutôt contente. Allez, le PNJ. Oh! Oh oui, ça complète! Oh punaise, on l'a pas celle-ci, j'avais confondu avec l'autre Ophélie, Ophalie, je sais plus. Ouais, par contre j'aime bien le petit détail de sa petite coupe de cheveux, mais alors le rouge à lèvres, par contre, je dis non. Mais bon. Alors ça c'est cool, ça complète, et je suis plutôt contente, elle est mignonne de la carte. Et enfin, oh là là, je vais pas plus me prononcer, hein. Voilà, c'est le seul Yeti, je crois, de la série, un peu comme le mammouth. Mais ouais, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout un personnage que je recherche. Et enfin, oh, il est trop mignon, lui, Ethan. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il a un petit style et tout. Il est plutôt, ouais, il est plutôt marrant. J'aime bien. On va dire que ça va, ça passe, ça passe, ça passe. Mais plutôt vraiment content de ces ouvertures. On n'a vraiment pas de doublons. Alors, je parle peut-être trop vite, mais en tout cas, de ce que je vois, c'est plutôt pas mal. Allez, hop, on y go. Allez, 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 une nouvelle carte PNJ, mais j'ai du mal à y croire. Oh oui, on a Mélie. Oh, trop bien, Mélo ne sera plus tout seul. J'ai eu Mélo dans la série 4 ou 2, je m'en souviens plus du tout. Et là, c'est cool, j'ai mon petit Mélie. Il y a Mélo. Oh, mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop, trop cool. Et enfin, Stella. Alors, Stella, elle est mignonne. Je l'avais vue. En vrai, je l'avais vue.
Comme ça, elle me disait rien du tout, mais je l'ai vue sur une île et elle est mignonne à souhait. Franchement, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un peu comme Bichoun sur la carte, j'aime pas du tout. Mais alors, dans le jeu, j'adore, c'est une de mes chouchoutes. Et on y go. Et on a Ralph. Ralph, c'est mon premier tigre, je crois, de toute ma collection. Donc voilà, il faut une première atout et je suis plutôt contente de tomber sur Ralph. Maintenant, j'aimerais bien avoir un aigle, un autre aigle. Je crois qu'il s'appelle Greta, je sais plus. Oh, je sais plus. Allez. On verra ce que nous réserve ce dernier petit paquet de cartes à niveau. Donc, on y go. Le PNJ sera-t-il un doublon? Et oui, c'est un doublon qu'on a vu dans cette vidéo. Donc ça, bon, c'est pas très très grave. C'est un PNJ. Et enfin... Oh non, Eva, on l'a déjà. Bon, ça, j'en passe. Allez, on compte sur toi, petite carte. Et on y go. Oh non. Bon, j'avais parlé un petit peu trop vite, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, en tout cas, pour les cartes que je n'ai pas du tout aimées, enfin, du moins, c'est des villageois que je ne compte pas faire venir sur mon île, sauf si vraiment il se passe quelque chose d'incroyable. Et enfin, voici les cartes que j'ai adoré avoir, hop, qui vont rejoindre le petit classeur. Attendez, hop, je vais mettre ça là. Hop, je vous montre ça très vite fait. Donc vraiment, on a eu une belle pioche quand même, faut pas se mentir, on a eu une très jolie pioche. Dites-moi, vous, quelle a été votre carte préférée? Et enfin, en doublon, et ça, si jamais vous avez des cartes à niveau et que vous voulez les échanger, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça c'est tous mes doublons que j'ai dans la série 3. Donc voilà, pas de Mathéo, mais en tout cas, je suis vraiment contente sur les personnages sur lesquels on est tombé. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire eh bien ce que vous en pensez de ces ouvertures. Je ne sais pas quand est-ce que j'en ferai une autre, parce que là, j'en ai plus du tout. Et je vous avoue que, comme je vous l'avais dit, ça coûte très cher, donc je ne sais pas si je vais investir encore dedans. En tout cas, moi, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Bon, en attendant, moi, je vous dis, eh bien, portez-vous bien, faites attention à vous, et on se dit à la prochaine !